Mais je m'appelle Laura Ali-Thérèse. Je suis transformatrice de noix de cajou à Djougou. Actuellement, j'ai pensé à la valorisation et surtout de l'anacarde. Et j'ai pensé dans ce sens de transformer aussi le jus de pomme de cajou. Donc il y a les noix, l'amande de cajou que je fais, et non seulement l'amande de cajou, il y a le jus de pomme de cajou. Et dans, j'ai aussi réfléchi comment amener les femmes à travailler, les mettre en coopérative et pour pouvoir les donner ma main pour qu'on puisse collaborer ensemble. Donc comme ça, et je pense le mois passé, sur le plan régional, il y a 504 femmes qui ont été formées en faisant représenter deux femmes par groupement. Donc il y avait 15 groupements qui étaient là pour la formation. Et sur les 504 femmes, et les 15 groupements ont été représentés par deux femmes de chaque groupement. Donc après ça, il devrait avoir une restitution. Donc il y a eu cette restitution. Et nous, moi aussi, j'ai envoyé mes techniciens pour faire le suivi et faire la production. Donc l'exercice qu'on a eu à faire cette année, au moins, on a tourné autour de 7000 productions de jus de pommes de cajou. Or, avant, c'était jeté, les pommes n'étaient pas utilisées, on ne savait pas qu'on pouvait conserver ça. Donc voilà, c'est un peu la valeur ajoutée que j'ai essayé de voir de l'autre côté, de créer d'emplois, d'essayer d'amener ces femmes-là à aussi faire de régénératrices de revenus. Nous sommes très très contents, pas peu, très 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 contents de ce que Thérèse nous a fait là. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les jus de pommes là, on jetait ça. Au champ, on jetait ça. Si on prend les graines, on jette les pommes. Maintenant, comme on a commencé à chercher, à vendre ça, nous sommes très, très contents de ça. On est contents que ce que Thérèse nous a amené, avant, on achète les pommes de graines. Là. Maintenant, Thérèse nous a amené les pommes de graines qu'on fait pour vendre, on trouve l'argent. Enfin, on les jette. Quand on fait ça, nos maris nous sont contents que ce qu'on fait, ce que les Thérèse nous a montré, on fait pour trouver l'argent un peu. Sinon, on jetait sans rien. Maintenant, là, nos maris même ont commencé à avoir l'intérêt de ça. Eux-mêmes sont contents plus que nous qui font ça. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de changements. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas des institutions en tant que telles pour appuyer, accompagner ces filières, c'est-à-dire dans le domaine, dans le secteur agricole. Surtout avec Profit. Bon, on a commencé avec Paya, Fafa, CTB, tout ça là. Vous voyez, avec leurs appuis, il y a eu beaucoup de constructions, des magasins. Au niveau des hommes, il y a l'URP, il y a par exemple l'Union régionale des producteurs d'anacarde. Aujourd'hui, ça a permis les ventes groupées. Ça a permis aussi aux hommes d'augmenter leurs revenus. Il y a quand même eu beaucoup de changements dans le maraîchage. De la même manière, c'est vrai que moi, je me bats aujourd'hui pour qu'on dise aussi que côté de noix de cajou, que ce soit de la pomme jusqu'aux noix, qu'on a pu quand même transformer ça, qu'on a pu quand même attirer de la richesse, qu'on a pu quand même créer d'emplois à base de ça. Et sur ça, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et tout ça là, je n'ai pas pu réussir ça que par aussi les soutiens de la CTB. Parce qu'aujourd'hui, au moins, c'est grâce à la CTB que j'ai été dotée de tous ces matériaux, des équipements qui me facilitent la tâche de mieux avancer dans l'activité. Et la dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire quand, avec les assistants techniques de la CTB, on échangeait, je leur parlais de mes rêves. Je dis, mais je sens en moi, j'ai envie de partager.
mes connaissances avec les mamans, les femmes surtout de ma région. Et j'ai essayé de mobiliser sur près de 18 groupements. J'ai vu qu'il y avait 15 groupements qu'on pouvait retenir pour les former sur le jus de pomme de cajou. Donc, quand j'ai pensé à ça, tout de suite, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas accompagner ça? Mais je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont dit, mais envoie-nous un TDR. Effectivement, j'ai envoyé, dit, mais je n'ai pas besoin d'un franc de la formation. Mais j'ai besoin du soutien, du déplacement de ces femmes-là et de donner mon savoir-faire. Et après ça, on va voir comment collaborer pour mieux réussir dans cette filière. Et effectivement, ils ont eu à accompagner ce que j'avais fait chose. Donc, comme c'est le fait d'avoir accompagné ça qui a permis d'avoir ces résultats de formation de toutes ces femmes-là, de 504 femmes aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de changements. Vous voyez, avant, j'étais allée, il y a un groupement qui me disait, mais nous, maintenant, on fait ça. Chaque soir, quand on finit de faire, on met ça dans les bidons. Et puis, moi, je vends ça 100 francs, 100 francs. Et par jour, je vends jusqu'à 4000. Vous voyez, c'est un plaisir pour moi. Oh, avant, c'était jeté, tout ça là. Donc, par ça, ça veut dire qu'il y a l'amélioration, le changement de conditions de vie qui commence à venir à petits coups. Même si on n'en a pas à 100%, je peux dire qu'aujourd'hui, dans le domaine agriculture au Bénin, on ne se plaint pas. Parce que le gouvernement même a compris que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très important dans un pays et il faut venir en aide pour ces choses-là, pour amener la jeunesse aussi au côté des femmes aussi à se retrouver. Donc je pense qu'il y a eu quand même des changements. Les femmes doivent comprendre aujourd'hui que vraiment, nous avons vraiment des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je prends par exemple la CTB, qui est Coopération Technique Belge, aujourd'hui, qui appuie dans le sens d'accompagner ces femmes. Je pense qu'aujourd'hui, penser à entreprendre, hein, se mettre en coopérative ou chercher à travailler, c'est une très bonne chose et c'est à encourager. C'est à encourager. D'abord, tu es libre, tu sens en toi une liberté. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais il faut se donner la passion de faire la chose. Quand vous vous donnez cette passion, tout de suite, tout ce qui est comme peine devient de plaisir pour vous. Hein? Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent, je les appelle, je les invite de faire comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elles sont contentes le fait de savoir faire quelque chose. Hein? Donc, ça veut dire que c'est quand même important. Nous avons beaucoup de richesses. Il faut valoriser ça. Il faut vraiment valoriser ça. Voilà. Ils sont contents de savoir. Ils veulent venir, on va aller ensemble. Là. Et là, nous-mêmes, on prie Dieu que si l'année prochaine, il faut que ça soit amélioré plus que cette année. Pour que on va trouver beaucoup d'avantages plus que cette année. Nous-mêmes, les gens sont en train de dire ça. Avant, le travail, c'était seulement. C'est la femme seulement qui est venue ici nous faire le travail pour l'argent seul. Comme on a trouvé les autres travails, on est très contents de ça. Et on cherche à connaître. Pour les gens du ministère, je leur demande de nous veiller, de veiller à nous pour pouvoir nous renformer, de nous amener là où nous-mêmes nous sommes en train de chercher à aller. Nous voulons aller à devant, mais nous n'avons pas les moyens pour aller devant. Pour cela, on leur dit de nous aider très, très, très sérieusement de ce que nous faisons ici, parce que nous sommes trop pauvres et nous aimons à faire de ce que les gens fassent ailleurs, quoi. On voit les autres et nous sommes intéressants, mais nous ne pouvons pas aller chez les autres. Et on leur demande de nous de tout faire pour nous aider. Aujourd'hui, il y a des femmes qu'on est en train de voir, c'est des femmes leaders, mais qui ont envie de se battre et de réussir.
Mais il ne suffit que de les dire. En réalité, c'est de ce côté tu dois apprendre pour y parvenir de l'autre côté. Et moi, quand j'ai senti ça, c'est ça qui m'amène à travailler dans ce sens. Et je n'ai pas pu réussir, je dirais que c'est grâce au soutien de la CTB. Donc, je les remercie infiniment pour ça. Et je pense aussi que s'il peut y avoir encore d'autres opportunités de permettre aux femmes de mieux postuler, ils auront plus de candidatures de déposer les MIP, surtout à partir des autres années à venir. Anga ben kola, anga ben kola.